Et salut! Salut! Sauvo! Salut toi! Sauvo, Sauvo! Ah! Comment ça se passe le chat? Salut Mono! J'espère que vous entendez bien. Coucou Mono! Il y a GetGat aussi. Oui, il y a GetGat. À quand une conférence avec North Flame qui nous dit que nous sommes breathtaking? Yo, breathtaking! J'ai jamais vraiment entendu Ken Yoris vraiment parler souvent en anglais, donc du coup je sais même pas si j'ai réussi à bien l'imiter. Je sais qu'il a une voix un peu étouffée, comme ça. Bon, et bien aujourd'hui c'est nouveau truc. On va faire, enfin en tout cas pour ma part, on va faire un storyboard. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par storyboard. Eh bien, on va montrer, bah, comme pour le cinéma en fait, c'est un fraté du cinéma. Du coup, on va à peu près à la disposition de comment on imagine comment le jeu va tourner, c'est-à-dire ce que le joueur va voir en fait dès qu'il allume le jeu. Donc, c'est-à-dire le menu, le gameplay, comment on va dispatcher le truc, histoire de voir les informations qu'on va mettre à l'écran et où. Le menu de flow ou l'interface? L'interface plutôt, ouais. Mock-up du coup. Ouais, une espèce de mini mock-up, ouais, dessiné. C'est ce qu'on avait déjà fait du coup. Ouais, mais cette fois-ci, on va essayer de voir un peu plus comment on peut essayer d'arranger ça correctement. Bah, d'ailleurs, tiens, j'avais. Du coup, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai regardé un peu ce qui se faisait chez les copains. C'est-à-dire chez les copains, je parle des autres jeux de cartes ou de jeux de société. Et du coup, voilà, j'ai essayé de. T'as fait une veille cachée? Ouais, j'ai fait une veille hier comme ça, parce qu'en même temps ça m'a pris toute la journée d'hier et aujourd'hui un petit peu ce matin. Tu vas pas streamer? Parce qu'il y avait... Voilà. C'est dommage. Oui, je sais. Je suis en train de manger de la mode salade avec des tomates et de l'avocat. Bah écoute, c'est bien. Tu manges healthy, comme on dit. Aloha, GatGat, tu peux venir quand tu veux, comme d'hab. Une veille clandestine. Ouais. Exactement. Alors, juste un truc, du coup. Voilà, donc là ce que l'on peut voir directement à l'écran, c'est un storyboard par exemple d'un jeu que vous pourrez trouver sur les demise.com et c'est dans les demise how to make a game, video game il me semble. Donc c'est en gros c'est pour les nuls, c'est la version anglaise de pour les nuls. Mes collègues ne doivent pas savoir que je bosse, d'accord. Non mais c'est pas ça mais c'est que bon, histoire de montrer un truc un peu plus légitime sur le stream quoi. Donc... De ma part, je parle, parce que pour les deux autres, on va pas dire ça. C'est un peu leur métier, donc ce serait un peu leur cracher à la gueule si je disais ça. Donc du coup, voilà. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, visiblement, c'est un shmurp, là, où tu vois, tu contrôles une espèce de mini-truc là qui tire dans l'espace, tu sais, où il faut faire attention aux collisions et tout ça, là. Un ancien jeu, quoi, un truc un peu rétro. Mais en gros, voilà, il y a même la cinématique de début là qu'il a essayé de faire et tout ça, où tu vois, tu sélectionnes où tu vas aller. Là, ce qui se passe, la motion de certains trucs qui tombent, là, par exemple des astéroïdes qu'on voit, sachant que là, il y a marqué player là avec la petite flèche. Bon, je sais que c'est un peu pixelisé, je suis désolé, mais c'est juste vite fait pour illustrer le propos de comment je procède aujourd'hui. Hein. S'il y a des questions, pareil, posez-les, lol MDR. Du coup voilà, il y a les ennemis, comment ils ont été designés, machin et tout ça, où est-ce qu'ils vont se placer à l'écran et tout ça. Donc là il y a aussi les power-up, comme le hitwave et tout, comment ils seront mis. Bon ça c'est... Malheureusement on va pas pouvoir faire tous ces trucs là, ça va être très théorique, très schématique ce qu'on va mettre. Notre storyboard, ce sera vraiment à main levée parce qu'on n'a pas encore une identité graphique. On n'a pas encore décidé de certains trucs, c'est l'habillage à peu près de tout ça. Mais on peut déjà avoir une petite idée de où est-ce qu'on va placer les choses, c'est déjà assez important. Par exemple, voilà, après, en vrai, là, ce qu'ils ont, c'est pas une identité graphique. Hein. Non, je sais, mais par exemple, tu vois, je vais pas m'amuser à faire des dessins soignés, de toute façon. Même si jamais, c'est déjà même pas le principe même d'un storyboard, c'est pas de faire des trucs bien soignés, machin, c'est juste pour mettre à plat une idée. Bon. Véhiculer une idée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a déjà une idée, en vrai. Donc. Ouais, mais entre un bonhomme stick et un bonhomme avec des formes, c'est pas la même idée, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ça peut être important en fait. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, je vais utiliser aujourd'hui Milanote parce que du coup j'ai préparé un peu ce que je voulais mettre dans ces storyboards, d'accord. Donc là, c'est avec un petit texte explicatif que je vais vraiment mettre point par point pour tout le monde. Hein. Donc arrêtez-moi s'il y a une question ou quoi que ce soit. Dans le premier, on va avoir menu Start Exit, mais c'est juste en fait au moins pour qu'on pose la base, hein, mais ça c'est ce que tu as mis de toute façon dans ton code, il me semble. Hein? Ton menu, parce que tu as déjà fait le menu toi. Non, j'ai pas fait le menu, j'ai juste mis des trucs pour tester. Voilà. Il n'y a rien d'acté. Hein. Ok. Donc, pour absolument pas partir de ce principe-là. D'accord. Donc, en gros, voilà, il y aura deux trucs là-dessus. Hein, sur le menu, la sélection de nouveaux jeux et continuer le jeu en cours, quoi. Et après, là, le premier qu'on va mettre, alors c'est un peu long, mais parce qu'en fait, j'ai cité directement GDD. Donc, du coup, là, on va sélectionner les héros. Et en gros, sur cette partie de l'image là, on va voir vraiment comment seront mis les héros, comment on les sélectionne et tout ça. D'accord? Donc si ça se trouve, on va en rajouter d'autres, hein, mais c'est dans les idées principales ce qu'on va essayer d'illustrer hein, pour le moment. Donc là, ce sera la sélection. Coucou, de Gadgat. Quoi? Swear. Tu peux en parler vite fait? Je crois que je t'ai pas mis assez fort. Ah, j'allais dire, c'est peut-être un peu faible. Oui, tu es très faible, Gadgat. Et je ne parle pas physiquement, je parle de ton micro, ne t'en fais pas. je joue aussi sur un des replays où tu parlais, t'as une tendance à être très faible en fait. Ouais. Mais toi en avant, que diable! Dernièrement, j'avais des problèmes de micro, mais là, normalement, il est bien branché. Bah écoute. Non, mais après, c'est peut-être à Norse de pimper ton son s'il le peut aussi sur Discord. Hein. Il est déjà au maximum. Hein, donc typiquement, moi je te mets à balle parce que sinon. Ah, moi il est à balle aussi, hein, donc je peux rien faire de plus. De toute façon, j'ai rebaissé la musique. Problème de micro trop faible. J'ai même rebaissé la musique parce qu'en vrai, on est tombé sur une musique qui était un peu en mode énervé. Sinon, ça va, GetGat, avant que je continue ou... Oui, ça va. Tout va bien? Tu te remets bien? Tu n'es plus malade? Je suis un peu malade, mais c'est autre chose. Quoi? Quoi? T'es toujours malade? Tu le fais exprès? Ouais. Et en même temps, c'est pas l'été. Ah. Ah. J'ai bloqué quand t'as dit ça, je me suis dit d'une manière c'est légitime, mais en même temps il est casse-couille avec l'été, donc je sais pas s'il est sérieux. Voilà. En plus, qui ne voit pas les annonces. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment la merde. Alors, sinon, là du coup j'ai pris un petit parti pris, parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait trop d'informations sinon qui allaient être à l'écran quand on était dans le donjon, et pour le management de guild. Donc... là, par exemple, j'ai pris le parti pris que il y avait deux écrans pour la partie. Dans le sens où, genre, il faut que tu cliques, par exemple, dans le donjon pour apparaître dans le donjon avec, tu sais, la disposition des héros et tout ça, s'ils avancent dans le donjon. D'accord? Pour avoir la map et tout ça. Donc là, tu auras le village du bluffard, là, avec les guildes, l'achat de héros, d'équipements, tu vois, tout ça. Avec les actions hors donjon que tu fais typiquement hors du donjon. Et quand tu cliqueras par exemple sur le donjon, là tu seras directement avec tes héros, avec leur line-up, comment tu les mets et tout ça. Tu auras là où tu peux avancer, les tuiles qu'on parlait, les actions hors combat qu'ils peuvent effectuer par exemple pour certains. Tu peux aussi équiper les héros, hein, sachant que quand tu équipes les héros, tu auras la liste aussi des héros qui sont dans la guilde. Tu vois ? Donc du coup, c'est pas, il n'y aura pas un problème de toujours ressortir, re-rentrer, toujours ressortir, re-rentrer, parce que ce sera la même... le même truc, mais c'est juste pour aérer un peu le gameplay, pour pas que le joueur ait un bordel en fait devant lui et qu'il ne sache pas où cliquer ou machin ou quoi, et aussi pour aérer un peu le truc, le propos. Évidemment, il y aura aussi les deux encoches de victoire avec le loot, plus peut-être un historique du combat, donc c'est-à-dire ce qui c'est qui a infligé quoi et tout ça, si jamais tu veux revoir un peu certains trucs. C'est juste du kikimeter à la con, hein, donc tu fais ce que tu en veux de ça. Et après, tu auras la défaite. Loot perdu, donc c'est à dire si jamais, genre par exemple, dans les certains cas où on a vu, où si par exemple tu te bats contre des joueurs et que bah du coup, bah oui, ils prennent le loot, hein, que certains héros morts tombent avec la liste des héros blessés et morts et tout ça. Voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est bon? Bon, j'ai rien compris. T'as rien compris? T'as pas compris? Non. Ah, c'est con. Bah ouais. On va y aller pas à pas, hein? C'est bien ça, bah, si on va pas à pas. Je comprends pas, il y a une fenêtre dans le donjon, une fenêtre en dehors. Du coup, tu vas passer ton temps à ta game à cliquer entre je veux aller dans le donjon, je veux sortir du donjon, je veux retourner dans le donjon. Non, parce que justement, en fait, tu vas pas passer ta game à ça, mais c'est-à-dire que... Chaque tour, tu dois faire des actions hors du donjon et dans le donjon. Oui, oui, voilà. Tu vas passer ta game à ça, quoi. Oui, tu peux... Disons que ça va être... on va essayer d'aérer le truc, mais moi, je trouvais qu'en fait, de tout mettre devant, en fait, ça sous-entendait qu'il y avait trop de trucs affichés, en fait, sur le bordel, et je voyais... J'arrivais pas à trouver un moyen, dans ma tête, du moins... pour que ça fasse pas trop brouillon en fait, que ça soit pas trop le bordel, si tu veux. Et donc si tu veux, j'ai trouvé cette méthode là où tu cliques sur le donjon pour entrer et voir la map avec les tuiles et tout le bordel, et à l'extérieur t'as tout ce qui est management de guild, d'achat et tout ça en fait. Donc quand tu vas dans le donjon, c'est pour avancer, pour faire ton action d'event quoi. C'est pour ça. Voilà. On va voir aussi si c'est pas trop lourd l'utilisation. Oui, non, mais c'est... Oui, on va voir l'état. Donc du coup, on va essayer de commencer, hein, clairement. Est-ce que tu veux streamer aussi ton code, Ulord? Moi, je sais déjà partager l'écran. Hein. Ah merde, sérieux? Ouais. Ah bah putain, oui. Non, parce que la dernière fois que j'avais regardé, tu n'avais pas partagé ton écran. Donc du coup, je venais juste d'arriver, ouais. J'étais un petit peu triste. J'avais envie de me tabasser. Alors attends. Du coup, à ce qui paraît, faut faire une mise à jour là. À ce qui... Oui. Hop, le code. Voilà. Alors, Photoshop, créer un nouveau. Est-ce que ça marche encore et après on fait la mise à jour? Ça marche. Parce que j'ai eu la surprise en essayant de compiler que ça compilait plus. Parce que j'avais changé le nom d'un fichier. Comme un tocard. SecFault. Pas mal. C'est beau ça. Donc. C'est pas mal ça, ça fait plaisir. Hop là. Donc du coup... C'est que quand on change de texte. Hop. Oh, ça c'est cool à chaque fois parce que la dernière fois c'est cool le départ. Hein. Non. Ça c'est cool pas à chaque fois, ça va être chiant. J'annonce, ça va être chiant. Ah voilà, là ça marche. Ça va être chiant, ça va être très chiant. Il y a des trucs chelous, je pense, dans les strings, mais tu sais, si on fait... De toute façon, on a dit qu'on arrêtait de faire ça, on va pas faire des string streams pour ça. Parce que c'est con en vrai. Je pense que ça ira mieux. Bon allez, on va faire la mise à jour. C'est quoi du coup? C'est maison subproject update? Ouais, avec un S, subproject. Incroyable. Ça ne marche pas. Tu te mets là où t'as ton maison.build. Bah il est là. Il y a peut-être pas de S alors. Ah, il y a pas de... T'as pas de build find? Parce que là tu vois il dit dans l'histoire directory, ça veut dire qu'il considère ce truc comme des directories et pas comme des... Ouais, parce qu'il faut dire maison point subproject vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? Subproject, ça existe. Ah, c'est peut-être pas update du coup. Je t'ai fait dire la commande quoi. Ah mais t'es où? Là, ta directory subproject par rapport à OT. Ma quoi? Ma directory subproject? Il est... Tu vois, il m'a créé un dossier subproject. C'est des dossiers de build en fait, il a essayé de faire des builds qui s'appellent subproject. Je pense qu'il faut que tu ailles. Il y a un vrai dossier subproject. Ah. Celui avec un S, c'est un vrai. Par contre, subproject. Ah, il y a subproject. Ah, il y a peut-être un truc à jouer là. J'avais oublié le R, ouais. Du coup, on va RM subproject. Parce que du coup, il a cru que c'était des autres builds. Donc, vous voulez créer un nouveau build. Non mais il avait raison en vrai. À un moment je mets pas de R forcément. Du coup, là, ah non, ça marche toujours pas. Ah oui, là il faut un SP. Donc là faut que je supprime... Ouais, celui qui est pas de... Project sans S. Et là ça met à jour. Du coup on n'entend plus Norse là. Parce que je dis plus rien. Je commence. En vrai, tu devrais mettre ton écran en full screen parce que nous, ça va pas être passionnant. C'est la mise à jour. Donc... Ah. Ouais. Bah oui. Alors, j'arrive. Alors, hop. Donc, voilà. Donc là, on a. Là, c'est des faut pas s'attendre à du grand art. Hein. Donc là, c'est juste pour. Donc là, la petite lettre, par exemple, ce serait le curseur du joueur, d'accord? Je peux faire une remarque? Ouais. Exit au sud réglage, c'est donc. D'accord. Ok. Bon, on va swap. Hop. Écrit. C'est une connerie, ça. C'est tous les menus, le exit est tout en bas. C'est le dernier truc que tu vas faire parce que c'est l'input exceptionnel. D'accord. Et bah vu que c'est pas moi qui code, je savais pas, monsieur. Ah, c'est pas une question de code, hein, c'est une question de pratique. Hein. Regarde tous les jeux auxquels t'as joué, quitter, c'est toujours tout en bas. Ok. Toujours tout en bas, c'est le truc le plus éloigné en fait. Ah, putain, le truc le plus éloigné de commencer la partie, des réglages, machin et tout ça, c'est toujours le plus éloigné. Tu peux le mettre genre en bas à droite, c'est encore mieux. Parce que tu veux pas que les gens quittent ton jeu. Tu veux les garder. Surtout en fait, tu veux surtout pas qu'ils quittent par accident. Ouais. Parce que quelqu'un qui quitte par accident, il revient pas. Hein. Tu le fais pas revenir. Enfin, si t'as un peu de chance, il reviendra parce que c'est pas... Voilà, quoi. Ah, mais j'ai encore pas mis mes clés SSH. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une pop-up aussi. Aussi, vous voulez bien quitter. Est-ce que t'es sûr? Donc... Est-ce que vous êtes vraiment sûr? T'as écrit Strart. Oui, je suis le mec qui... C'est vrai. Je suis le dyslexique du groupe et c'est moi qui dois écrire ça. C'est génial. Parfait. Curseur, comment on l'écrit déjà? S. S-E-U-R. Merci. Ouais. Hop. Donc du coup... Bon, tout ça c'est amené à changer, mais dans l'idée. Ok? Dans l'idée, ce serait à peu près ça. Bon, là on fait... Là on fait vraiment... On ouvre des fenêtres. Hein, là. On ouvre des fenêtres à coups de bombes atomiques, clairement. Mais... C'est important d'avoir des mock-up des écrans. Voilà, donc ça c'est dans l'idée. Après, moi, j'aime pas ça. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va dégager. On peut mettre le titre dans une banderole à la con. On n'est pas des tatoueurs. On n'écrit pas le nom de sa mère dans une espèce de banderole à vie. Hein? Parce que c'est moche. Tout le monde l'a fait. C'est naze. C'est chiant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fond, moi j'imaginais à la rigueur petite ville de bleuphare. Hein, donc, il faudrait, tu vois, faire une espèce de... Tu vois, comme si tu vois, genre, tu vois, t'étais à l'intérieur des remparts, comme ça, tu vois, un petit paysage à la con. Tu vois, on mettrait une espèce de tourelle à la Mormoiseub, là, ici, tu vois, là, avec ces trucs, là, avec sa petite meurtrière, comme ça. Tac. Toi aussi, apprends à faire un paysage. Bref. Et là, regarde, si tu veux, ça va finir en placeholder, ça, on va le mettre vraiment. Sérieux? On peut. Non mais ce sera... T'as screenshot Gadgat? Ouais. Je compte sur toi. Hein. non mais t'inquiète, je vais partager le truc après. Donc ça par exemple, ce serait le une idée parmi tant d'autres du truc. Comme après, c'est juste un fond hein, tout ça. Hein, donc on s'en fout hein, du reste du truc. Avec un petit donjon un peu par-ci par-là. Mais en gros, dans l'idée, ce serait ça. Ce serait très sommaire, mais en même temps, le but de ce jeu, c'est de faire assez conventionnel. Juste, voilà, pour faire un menu et tout ça. Autant qu'on s'amuse un peu, on verra si on a des... des personnes pour s'en occuper et tout, pour le graphisme et tout ça. Là, pour l'instant, c'est juste un mock-up à la con. Alors... Cool question. Le titre, il est dans l'image de fond, en fait. Ouais, non mais... Allez, on va voir, de toute façon. Je suis pas sûr, hein. Ouais. Ça se scale pas très bien une image de fond. Mais écoute, du coup un titre, ça va pas se scaler très bien quoi. Yes. Hop. Bon, après, ça dépend de l'image d'origine, je pense. Ça. Non, mais de toute façon, on va voir. On fera avec ce qu'on a sur le moment. Si vous me dites que c'est chiant, bah du coup, on le fera à part et tout ça. Et puis, c'est pas un problème, ça. Donc, après. Bon, allez, on s'en fout de ça. On va pas faire ça parce que c'est en vrai, c'est une redite. Mais en gros, vous reprenez cette image-là. On va remettre après, quand tu fais start, la sélection de jeu, en fait, directement. D'accord. Donc ce sera le même écran, c'est juste que là les inputs vont changer. D'accord. Donc au lieu qu'il y aura toujours réglage et exit, mais ça par contre ils seront toujours à la fin, tu vois. À la rigueur. Et là en fait à la place on va mettre les noms des games, tu vois, genre continuer ou nouveau jeu, tu vois, c'est tout. Donc c'est la même merde, c'est juste ça qui change. Après. Donc on pourra faire aussi bien plus tard le mock-up du didacticiel. D'accord. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment la conception de notre jeu a changé. Donc, là, si on suit Jean-Michel Route que j'avais fait, voilà, hop. Donc, là, on voit que du coup, on doit parler des héros. Donc, on va se rappeler d'une chose, c'est que les héros, on a décidé à peu près, pendant un stream, à quoi qu'ils ressemblaient, les cartes héros. Donc les cartes héros déjà pour nous rappeler, ça va être, hop, voilà. Ok, donc si j'arrive pas à faire le strict minimum, déjà on va se faire, hop, ça fait longtemps que j'ai pas ressorti la tablette, bordel, hop, 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 donc, ici. Ce qu'on va pouvoir voir, d'accord. Donc là, on aura l'illustration du héros. Paf. Alors, soit on fait en mode carte Pokémon, Yu-Gi-Oh! Slash Magic et en gros on fait une illustration en carré, ou son illustration prend toute la feuille, genre il n'y aura pas ce petit carré pour délimiter le machin. Et on va, enfin en vrai, moi je serais plus chaud pour ça en vrai, ce serait plus esthétique. Tac. Tac. Tiens, hop. Alors, hop, 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 oh, putain, en vrai je suis con, en fait j'aurais pas dû faire ça, tac, 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 voilà c'est mieux. Par exemple, ici, là tout en haut, on va mettre le nom du personnage, donc dans ce petit carré là. Là, t'illustration, donc on va faire Monsieur Patate, boum. Hop. Hop là, boum. Tac, tac, tac. Hop. Bam. Voici notre héros à la Mormoilzub, déjà. Il est beau. Non mais là de toute façon on s'en fout, c'est juste pour lui donner une représentation, on se trouve du cul et après on se casse. Hop. Voilà. Là on va pouvoir lui mettre ses stats principales, d'accord. Donc là on peut faire un arrière-plan du genre bah là tu vois on va faire une petite épée à la con pour ses attaques par exemple, un petit bouclier, le truc très classique. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut, avec par-dessus le chiffre, d'accord, qui nous intéresse, donc ses points d'attaque. Point. Bon, je vais carrément écrire la puissance. Tac, et là, ses PV. D'accord. Là, on a un petit pli. Pour signifier que si tu cliques là par exemple, on clique ici, ici, là, ah bah tiens, on va faire ça plutôt, la figure numéro 2. Parce que ça c'est la figure 1. Hop. La figure 2, du coup, à quoi ça ressemble? Attends, du coup, j'ai essayé de... Alors, je me souviens plus du tout comment ça fonctionne Photoshop, je m'excuse. Bref. Tac. Donc, en gros, la figure 2, paf, pouf. En gros, quand on ouvre la carte, tac, hop. Donc, vous avez toujours le petit nom, juste en haut, comme ça. Là, vous avez une illustration en combat, d'accord, avec ces chiffres qui sont représentés ici. Donc, après, en dessous, vous avez un petit texte à la con sur son backstory. Et là, vous avez ses compétences en donjon. Donc, compétences donjon 1, compétences en donjon 2 et sa compétence de guild ici. D'accord? Ok. Après, vu que ce sera vu que quand tu es là-dessus, en fait, tu l'as ouvert en grand, on peut dire aussi, histoire de gagner de l'espace, putain, je sais plus, voilà. En gros, là, ça, là, le D1, D2 et G, ils seront bien plus petits parce que ça va prendre tout l'espace du machin, faut pas déconner, ce sera, sinon ça va être juste bah, pour les malvoyants en vrai. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, hop, 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 hop. Donc là, par exemple, là, on va mettre ses compétences. D'accord. Tac. Et ici, il y aura son item équipé. Ok. Donc, un peu son loot, hein, clairement. Voilà. Donc, ce sera à peu près à ça, quoi. Ça ressemblerait la carte d'un héros ouvert. D'accord ? Des questions? Ça c'est sur la fenêtre de jeu principale du coup? Non, ça c'est juste pour les cartes héros à peu près. Ah bah à quel endroit? Quand tu l'ouvres. Tu l'ouvres quand? Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais en gros c'est quand tu vas par exemple... Excuse-moi, je travaille en parallèle donc je peux pas tout écouter. Oui non mais je sais, c'est pour ça que je te le re-signifie par exemple si jamais tu réécoutes le live en fait après. Si jamais genre voilà. En gros, ça s'ouvre quand tu vas cliquer sur un héros en particulier ou quand tu vas sélectionner ton héros, tu sais, quand tu pioches ou quand tu vas juste le sélectionner en, pour faire ta première partie. Tu vois, quand tu lances la partie, il faut que tu choisisses tes héros de base. D'accord? Si jamais tu veux les accepter, jamais tu veux bien le prendre dans ton équipe ou jamais non, en fait, tu en veux pas et tu relances en fait le petit bonheur à la chance pour voir quel héros sorte. Bah, du coup, tu peux inspecter le héros en cliquant sur, là sur le petit pli là. Le petit pli qu'il y aura là sur la carte. Tac. Qui sera un peu grisé. Tu cliqueras là et hop, ça ouvre la figure 2. Voilà. Tac. Compétences. Hop. Item. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques du genre en fait non ce serait peut-être pas si cool que ça? Genre non ça risque de pas être lisible à force ou des trucs comme ça. Ça dépend de la taille qu'on compte sur l'écran quoi après. Je t'entends pas là, je suis désolé. Ça va dépendre de quelle taille ils sont affichés sur l'écran quoi. Justement je vais faire ça ouais. Après. Donc okay. Et puis le petit bordereau aussi pour cliquer pour l'ouvrir, s'il est trop petit, ça va juste être chaud. Non justement, ouais. On va quand même faire une vraie marche, tu vois, on va pas faire un truc au pixel, genre à la pixel. Non, il n'est pas question de pixel, hein, mais même sans pixel, c'est pas assez en fait. Limite, il faut que ce soit la moitié de la carte qui soit cliquable, sinon c'est juste chiant en fait. Sinon on peut faire carrément ouais. Une icône, genre hop, un petit saut rouge là. Tu vois, un petit... comme une lettre de cachet, tu vois. Hop. Tu cliques sur le petit saut, là. Ça change pas le problème. Bah ça fait une grosse zone sur laquelle cliquer au vrai. Ah ouais, après on peut régler la taille et tout ça, c'est... Bon. Alors. Tac. Tac. Du coup. Hop là. Donc. Hop. Donc quand la partie commence, quand il faut choisir ses héros, du coup. Donc du coup là tu as, on va dire, une petite charrette là. Voilà. Tac. Hop là, boum. Cliquant ici, là du coup tu as choix entre les deux fameux héros du début. Tac. Et... tu vois, tu peux choisir déjà ton premier héros, genre ton élu, ou même dans le reste en fait, pour faire ton équipe de 4 en donjon. D'accord. Donc là on mettra un gros spot. Choisir. Merde. Hop. Donc, pareil, hein, avec les noms. Ici, là, en haut, tac. Ou sinon, on peut faire un truc beaucoup plus simple, d'ailleurs. C'est genre, du moment que tu vois, tu cliques là sur cette partie-là, vraiment sur la merde droite, sur la droite de la carte. Quoi que tu fasses, tu cliques sur la droite. Ça ouvre le truc en deux. Pour dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait faire ça. Hein. Ouais, c'est pour un truc genre quand tu survoles. Ouais, certaines zones, elles s'affichent la zone et puis ça t'indique, tu peux cliquer et puis voir plus vite. En vrai, enfin, moi personnellement, je vois pas pourquoi c'est qu'une partie de la carte qui permet de faire ça. Hein. Ouais, pourquoi pas cliquer dessus. Le reste, ça sert à rien. Hein. Toute la carte, tu peux cliquer dessus, ça l'ouvre. Ouais, c'est pas faux. Okay. Non, j'ai bien le truc avec une synonyme, genre quand tu passes la souris dessus, t'as la carte qui bouge un peu. Elle s'entrouvre en fait. Ouais, c'est ça, c'est quand t'es en on-over, t'as la carte qui s'entrouvre, puis après tu cliques, ça ouvre entièrement. Puis... ouais, voilà, donc du coup on peut faire ça. Ouais. Donc du coup. Hop. Prendre. Cliquer. Trop d'erreurs! Je sais même pas où il est. Il doit puer tout vert. Et où du coup? Alors, UI. Widget. J'ai pas inclus F32. Ouais, le problème c'est qu'il faut que tu inclues les trucs à chaque fois. Ouais, mais base widget il l'inclut normalement. Ok. Après, je crois qu'on s'était déjà posé la question de bah ouais, mais est-ce que c'est bien de faire ça? Bon, en fait, si BaseWidget change de type, c'est légitime que cela il compile plus en fait. Ouais, c'est ça que je me disais, c'est que. Des déclarations assez proches, en vrai, c'est pas déconnant. Parce que c'est des méthodes que tu vas plug dans le truc de BaseWidget, donc ouais, c'est dépendant. Ouais. Donc là, c'est logique. Bon, mais si tu l'utilises. Pour moi, ça passe. Tu l'utilises par exemple à l'intérieur d'une fonction. Là, faudrait le réinclure dans une fonction privée interne. Carrément. Carrément. Donc j'imagine que dans la source c'est pareil. Cataclysme. Bah ici typiquement je crois qu'on réincluait dans le CPP au cas où. Ouais. Que je vois il y a Graphic Engine alors que... Oh si, il y a peut-être besoin de Graphic Engine pour le render UI. Oui, c'est ça. Du coup, il est plus dans GE par contre, render UI, si ça a pas changé si, si, celui-là, non, il a pas changé. Ok. Pas encore, le texte, rendu texte, c'est pas terminé. Bientôt. Je vais pas réinclure parce que j'ai pas d'autre définition que les deux. Ouais. Container widget. Et ici. En plus c'est pareil. C'est pas Graphic Engine par contre, c'est pas sûr ça. Ah non, lui il a pas besoin de Graphic Engine. Hein. Ouais. Mais du coup je me demandais si j'allais pas faire un place. Un souci là. Catastrophe. On va le remplacer du coup par NLC Mat avec 2. Avec 2. Ça marche pas. Ah. Saloperie. Peut-être que c'est pas le backslash tout directeur d'escape. Ça a l'air bizarre. Non, c'est pas possible que ce soit ça. Tant pis, nique la police. Ayons des boutons. Ouais. Avec deux. Je l'ai encore oublié. Putain, une super complétion. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Parce que sinon on n'a rien ici. J'ai oublié, désolé. Ah non, c'est pour toi. Hein. Ce sera plus simple. Hein. Ouais. Alors, text widget. Non, on n'est pas passé dessus, text widget. Ou alors, t'as repassé que les F32. Donc, les tech 2, même pas. Avec 4. Ah bah non. Par contre, il l'a avec 4 aussi, en effet. Ouais. 4 du coup j'imagine c'est ça. C'est ça. Ouais, il y en a plusieurs les salons. Ah oui c'est les couleurs. Hein. Ouais. Ok, non, 34. Avec du coup 2 types et avec 4 types. Ok. Texte, normalement c'est bon. On a Mailman du contrôleur hein, qui est en train de péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des fakes là-dedans? J'ai des... Ah, peut-être ça s'appelle à input, peut-être. Ah oui, 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 il y a des trucs d'input, ouais. Et pour les inputs, ouais, j'ai... Ah, oui. Puis il n'y a plus de algo dans NLC. C'est ça. C'est directement NLC. C'est dans NLC directement. Ouais. L'include est bon par contre. Par contre, l'include reste dans... Okay, okay. Il bat très bien. Merde. Comme ça, ça fait moins à taper. Incroyable. C'est une économie de 1 seconde. Caractère en moins. Pas de petit profit. Get value, donc ça c'est les inputs, tu me disais, elles ont complètement changé, elles sont en snapcase du coup maintenant. C'est ça. La complétion elle marche bien, putain. Ouais, j'avoue là c'est... Une fois qu'il la compile, il est bien efficace. Hein, text widget on a dit c'est fait, text widget c'est fait. Quoi Switchet. On va clean un coup et relancer. Ouais. Il y a encore quelques inputs, donc ça c'est dans le main. Dans le main il y a des inputs. Ouais, forcément t'as toute l'initialisation. Donc le create input, tout ça c'est. Oh putain, il m'a proposé, je suis con. Ah ouais. Je vais chercher directement l'input. Ouais, t'as les set binding au-dessus. La puissance de Vim. Hmm. J'avoue. Par contre, les types ils changent pas. Non, les types ils sont. Là, ici on est en set axial. Tu vas avoir l'initialisation aussi de l'input, j'imagine, plus haut. Input update, ça n'a pas changé. Il register Windows. Ah, le register Windows par contre il n'existe plus en fait. T'as plus besoin de. Si, si, mais il n'a pas eu tout le même prototype. En fait, si tu fais Create Window en utilisant le helper là de Windows, t'as plus besoin de la register à la main. Ouais, voilà. Le register Window il est fait à l'intérieur de Create Window with Context. Donc... le init par contre on garde, ça dégage. Le unregister aussi du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup là on a tout qui a l'air d'être bon. Pour les inputs ça devrait être bon. Je crois que t'as encore quelques vecteurs qui traînent. Dans le loader, ouais, bien sûr. C'est presque au fainé. Ici on va pouvoir faire ça. Il n'y a pas de vec 2. Par contre il y a peut-être un vec 4. Selon toute vraisemblance. Ouais, peut-être pour expliquer aux gens qui comprennent pas trop ce qui se passe. En gros là dans le framework. On a changé pas mal de choses pour rendre l'utilisation plus simple, uniformiser comment les choses étaient nommées, tout ça. Et du coup là, Ulord vient de se mettre à jour, donc ça lui fait plein d'erreurs de compilation. C'est ce qui arrive quand on travaille sur un framework qui est pas stable. C'est ça. Parce qu'il est pas assez avancé pour qu'il y ait des versions stables, donc on se permet de tout casser si on a envie. Il y a beaucoup de mouvements, mais c'est normal, c'est pour le mieux. Comme ça on est très dynamique, on est flexible et on permet de challenger les utilisateurs. Nous à la logique. Create window, tiens. Vec de F. Donc là, ici, il y a des vecs de F qui traînent. Par contre, je crois que Graphic Engine, j'en ai besoin ici. On peut faire le con. Bah oui, parce que tu vas faire les... Tu fais les swap buffers et compagnie. Crée ta caméra et tout ça, donc... T'avais pas de VEC 4 ici? que j'avais regardé. Par contre, il y a des vagues de U. Ouais. Ben c'est... du coup, il y a... Deux vidéos longues tout seul. Ça reste quand même... Attends, c'est des unsigned du coup? Ouais. Du coup, c'est du U32 2? C'est ça. C'est ça, ok, vraiment, ouais, c'est ça. Et par contre, ouais, on conseille de les passer pas en référence. Ah. Parce qu'en fait, ça va perdre du temps. Exactement. Étonnamment. Grâce à la puissance des registres. Là, j'en ai encore un. La puissance des registres. C'est marrant, j'en ai parlé à un pote. Il me disait oui, il y a quelqu'un qui se plaint que je passe une fonction membre en fonction statique avec plusieurs paramètres. Genre, est-ce qu'il y a une raison à ça? Terme, genre, je sais pas. À part casser les couilles avec les registres qui peuvent optimiser ton appel des fonctions, je vois pas bien. Je suis même pas sûr que c'est encore d'actualité ça. Pour les appels de fonctions, j'avoue que je sais pas trop. Par contre, là, tu je crois que c'est encore possible, mais c'est plus, enfin, c'est de l'opti de fond de couloir quoi. J'arrive pas à changer son truc, lui, putain. Voilà. Par contre, le type, ça reste dans vague 2 types. Ouais, c'est ça. C'est des types primitifs. T'as les I32, I64, U8. Non, encore. Quelle tannée. U32-2. Je crois que c'était bon, non? C'est bon, ça a compilé. Putain, c'est des flottes. Ah. Putain, je regardais les anciennes. T'es trop loin, ouais. Bravo. Du coup, ça compile. Wow. Et du coup, tu disais, je vais avoir un problème. Non, c'est bon, c'est parce que j'avais vu que pour le Windows Side, on avait laissé U anti pour un moment. Je me demandais. Ah oui. Je vais avoir un vrai problème, c'est que je fais le gitan. Oula. C'est que j'ai pas commit les derniers trucs qu'on avait fait. Oh, c'est pas trop grave. Je peux faire un commit à part. Faut que je vois à quel point je peux bien séparer les deux, tu vois. Parce que le main... d'abord faire... de commit d'abord tous les... Ah ouais, non, donc ça va être chiant. Peut-être faudrait mieux que je commit le menu contrôleur et ensuite l'upgrade, tu vois. C'est plus simple, je pense. Du coup, par ton premier commit qui compilera pas forcément. Ah, normalement, si, il va compiler. Ah, ouais, non, il serait peut-être sur une version stable. Il y aura du code entre les deux avec des boucles qui utilisent les vieux vecteurs et des boucles qui utilisent le... En vrai, ouais, dans le menu, dans le contrôleur, il y avait un vecteur, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, bref. Donc, ici, on a quoi? Tout ça on ignore pour le moment normalement. Je le fais tout de suite parce que sinon je vais encore bosser et ça va devenir infect à commit. Ouais après. Ouais. Tu dessines quoi ouais, je sais pas, genre vu que vous étiez en train de parler du code et que t'étais en train d'essayer d'expliquer un truc, du coup je t'avais switché sur toi. Ouais. En gros là... Pas besoin du code. Là du coup, là je suis en train de faire, quand tu es dans la ville en gros que tu vas gérer ta guilde, tes achats, tu sais, hors combat, tu vois, en gros t'es pas en event, tu vois, tu peux gérer ta guilde. Donc là ici ce seraient les cartes en fait que le joueur possède, c'est-à-dire donc du coup généralement les items, d'accord? Là c'est juste pour tout ce qui est item, consommable en fait, ce qui est pas ni amélioration de guilde, ni héros qui sont dans la guilde. Tu vois, enfin bref, c'est toutes les cartes items un peu qu'il peut utiliser quand il veut, quoi. Okay. Donc ça sera ça. Quand tu vas cliquer là-dessus, c'est pour recruter un autre héros. D'accord? D'accord. Voilà. Et là, en fait, ça va être, tu sais, l'achat d'items, en gros. Et là, en plein milieu, ça va être l'entrée du donjon, tu vois, où en gros, dès que tu cliques là, ça va être, en gros, tu rentres dans le donjon. Et puis sur le côté, en fait... on va mettre les héros qui sont en guilde. Et du coup, tu pourras cliquer en fait sur les héros en guilde pour l'action que tu veux. C'est-à-dire soit les envoyer dans le donjon, soit leur équiper des trucs et tout ça. Et En fait, j'hésite. Soit je laisse le truc là des items, parce que là, en gros, la carte qui est devant, c'est celle que tu as sélectionnée avec ton curseur, tu vois. Genre avec un hover, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Donc là, j'en ai mis 5, mais en vrai, voilà, c'est dans l'idée. Et en fait, soit je mets les cartes là, soit, en gros, je les mets en fait sur le côté là, avec les améliorations de guild en petit, mais dès que toi tu passes devant, en fait, tu peux cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur les améliorations de guild que tu veux et tout. Donc, à voir. Je suis pas sûr de moi, mais moi je pense que je vais peut-être faire ça, parce que du coup, il faut quand même un peu de visibilité. Je pense. Encore une fois, si ce que je dis, ça vous fait penser à un truc, dites-le. Moi, juste les cartes en éventail comme ça. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, c'est faisable. C'est chiant. Mais ça peut être chiant quand t'as beaucoup de cartes, que ça devient pas visible. Donc, faut prévoir un deuxième mode d'affichage en. Les mets tout en linéaire et où tu puisses scroller dedans. Donc, tu peux faire un truc entre les deux, tant que t'as pas trop de cartes, mais en éventail parce que c'est plus joli. D'accord. Il faut d'abord switcher parce que sinon, c'est plus possible de naviguer, quoi. Les cartes sont les unes sur les autres. Ouais, je comprends tout à fait. Donc à la rigueur, si je te suis, on pourrait en gros les mettre comme ça en fait sur le côté là. En gros voilà, on pourrait redire. C'est comme ça, du coup ça répond aussi à ma question. En gros, on sépare le truc en deux. Là de ce côté là, t'auras les cartes en mode vraiment comme tu dis aligné. Et dès que tu passes dessus, en fait, du coup, bah, ça la met en plus grand, tu vois, où on voit, on sait, il y aura une texte, ça sort un peu, t'en vois quelques-unes, après tu peux scroller. Et donc, du coup, voilà, du coup, elles prennent un peu plus de part. On peut faire ça, en effet. Attends, c'est quoi, je vais faire ça, je vais illustrer ce que tu viens de dire. On va voir si on était sur la même longueur d'onde ou si jamais j'ai compris de travers. Donc, ce qu'on peut faire. Vu que généralement ce seront des items ou des conneries comme ça, on peut faire. Tac. Tac. Hop. Tac. Poum, poum. Tac. Ouais, c'était... Ouais. C'est ça? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, tu pourrais avec le bouton de coffre et appuyer dessus pour les ranger, pour les déplier. D'accord, je vois. Oui, donc du coup, dès que tu as... Ouais, alors, je sais pas si jamais c'est bien ce que j'ai entendu, mais en gros, ouais, l'idée, c'est en gros, tu cliques sur le coffre et en gros, tu vois, ça se déroule un peu plus, tu vois. Ouais. En gros, dans l'idée, en gros, ça partirait par là dès que tu as cliqué sur le coffre, en gros, vraiment. Pour arriver à peu près à là, tu vois, histoire que voilà. Et puis dès que tu fais un hover, en gros la carte tu sors un peu, tu sais, pour voir ce qu'il y a dessus. Voilà. C'est marrant comment tu dessines la carte là à droite. Tu vois, ça me fait penser à un doigt. Oui. Ouais, faut savoir les gars. Non mais c'est marrant. Je suis pas illustrateur. C'est pas une critique, c'est juste. C'est un hasard. Ouais ouais, super. Ouais, ça fait triper. Super. Tac. Alors. Est-ce que les commits c'est fini, monsieur? Presque. Nice. Sur un rebase interactive, tu perds les fichiers que t'as pas commit. Les untracked, non, il reste. Normalement, il reste. Hein. D'accord. J'ai fait une connerie, je pire, tu les... Voilà, c'était rapide. On n'a rien perdu. C'est bon, c'est fini. Ouais. Mise à jour éclair. Je sais plus que... Bon, on s'était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté à du coup le menu il tourne, hein, sauf que du coup maintenant en fait il va falloir pouvoir passer d'un menu à l'autre et on n'a pas de technologie pour ça. Okay. Du coup on était sur le menu flow controller qui du coup a pour but de prendre le route container du main et de ajouter et retirer le menu contextuel selon où on en est. Et... Ouais, est-ce que tu peux faire ce qu'on avait parlé là sur les strings pour éviter de faire pour réduire le nombre d'allocations? Oui, ça évitera de SecFaulter. Exactement. En fait, le truc, c'est que du coup, il va falloir pas mal modifier la chose, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, dans ton main menu, là où quand tu récupères tes composants, il faudra que tu aies un endroit où tu stockes les chaînes de caractères des composants, plus ton préfixe, et après que tu fasses des vues là-dessus, en fait, pour les afficher. Je sais pas si tu vois le... Ouais, je crois que je vois. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est pas très modulaire. Parce que techniquement, tu vois, genre là, actuellement, bon, on veut un texte parce qu'on est à l'arrache, mais demain, ce sera probablement une texture qu'on voudra appliquer quand on est sélectionné. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Du coup, il faudrait probablement un truc qui te permet de dire ah bah je suis sélectionné donc j'arrête d'afficher ça, puis j'affiche plutôt ça. Ouais, ok. Ou j'affiche ça par-dessus, ou un truc comme ça. Honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de s'embêter à générer du texte et des textures, quoi. Parce que quand tu feras le passage de l'un à l'autre, tu reviendras pas en arrière, je pense. Déjà, faut que je range le find component in widget parce qu'il n'y a rien à foutre là. T'arrives de faire beaucoup de code un peu boilerplate qui sert pas à grand chose, je pense. Ouais, mais enfin, après ça. En fait, le truc, c'est qu'il va falloir commencer à se poser la question de comment on gère un hover, tu vois. Ouais. Du coup, tu peux avoir un hover sur plein de trucs différents. Et du coup, est-ce que tu vois le hover en fait par principe d'affichage? En gros, quand t'es hover, bah, c'est pas un find component avec un nom de type hover, tu vois, par exemple. Ou avec un component hover, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Alors. Où il y a le donjon qui est apparu. Il y a d'autres choses qui ont apparu. Attends, tac. Hop. Il y a la boutique. Oui, il y a la boutique. Alors, en gros. La boutique déménage. La boutique déménage. Attends. Si vous la rentrez dans les gens. C'est parce que vous voyez pas le reste en fait. Attends, je vais juste vite fait vous montrer ça. On voit pas le reste. Bam. Ça cache des choses. T'as encore de la rétention d'informations. Non, mais ouais. Parce que voilà. Là par exemple, tu vois, du coup, t'as la liste de héros en guild là. Sur le Teco là. Voilà, là, ici. Après, du coup, tu auras toujours la boutique pour l'achat. Là, en gros, tu cliques là-dessus, ça va basculer sur un autre truc, mais enfin sur la vision donjon, d'accord. Là, du coup, tu as l'amélioration de guild. Là, tu vas voir les items, là, comme on a parlé, l'achat de héros, et puis hop hop hop. Pour l'instant, c'est bon, normalement. Ouais, d'accord. Oui. Bon. C'est tout ce que je veux dire. Hop. La maison elle est toute mimi, j'ai l'impression que c'est une œuvre de manga avec des yeux et des petits rouges sur les joues. Ah, tu veux que je mette des rouges sur les joues, c'est ça? C'est d'enfoiré. Avec la petite brique sur le côté là, ça fait trop ça. C'est d'enfoiré. Remplis-le en rouge. Parce que à la base. Arrête, sinon après je vais devoir me dire putain en fait j'aurais dû essayer de m'appliquer, au moins comme ça il m'aurait pas emmerdé. Ah non mais c'est trop bien, moi je trouve ça bien. Ça donne de la vie à ta boutique. J'ai pas envie de m'appliquer là, c'est juste pour avoir un truc. Bah oui mais non mais c'est bien comme ça. Alors du coup c'est donjon avec un petit $, parce que j'ai mis ce clic. Donc bon alors dans le donjon qu'est-ce qu'on va lui mettre à cet enfoiré? Donc je revois vite fait sur mon document. Ok, voilà. Je suis perdu dans mes fichiers. Donc. Là, ça risque d'être très drôle. Donc, je pars du principe qu'on se fait chier ou je pars du principe qu'on se fait pas chier? Par rapport à quoi? Parce que soit je garde. En fait, j'ai deux idées. Donc, attends, tiens, je vais te montrer. Enfin, je vais garder les deux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais faire en fait, justement. Donc, du coup, comme ça, on pourra décider. Hop, un petit trait. What? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Comment il a changé depuis... Il a changé dans une autre fenêtre? C'est peut-être le rebase qui considère qu'il a changé. Il se met à jour dynamiquement, quand tu sors un fichier... Bah, c'est bizarre parce que normalement, du coup, enfin, c'est lui qui avait le lock entre guillemets dessus. Base widget, j'imagine qu'en vrai y a rien qui a changé. Bah pour la peine maintenant j'ai la flemme. Bravo. En plus j'ai mis un commentaire. Ce serait mieux si c'est un jeu comme ça, je pense. Parce que les autres, il a pas l'air de faire chier, c'est bizarre. Juste celui-là. Ouais. Peut-être que je l'avais ouvert dans un autre objet. Bref. Ouais, du coup... on va peut-être pas se faire chier avec les ouverts tout de suite. Du coup, toi, tu proposais... J'ai pas fait déjà la première idée. La plus chiante, en vrai, je m'attaque. Le GetGat. Oui. T'es encore là. Tu proposais quoi, du coup, pour le texte, toi, de base? Que du coup, t'as une... Dans ton contrôleur, tu stockes un tableau de MC String. Et dans ce tableau-là, tu mettrais, bah, quand tu récupères tes widgets, tu prends le texte, t'ajoutes le préfixe, tu le mets dans ce tableau-là. Et comme ça, après, ça te fait ta base pour savoir après, dessus, tu prends des string view là-dessus pour savoir que le texte est affiché. Ah, sauf que dans le display, là, pour l'affichage, tu passes directement par le composant de texte. C'est ça? Ah oui, ouais, c'est ça. Est-ce que... C'est pour ça, en fait. Ah, ça, c'est un peu relou. Mais sinon, il faudrait... Parce que... Oui, c'est générique. Que du coup, peut-être dans le composant de texte, t'es la NLC string et en plus une string view qui de base soit une vue sur toute ta string, mais comme ça tu peux la modifier dans le contrôleur en disant moi je veux pas tout si t'es pas sélectionné, et que t'affiches à partir de la string du coup, pas à partir de la string. Et du coup ça fait que t'as le truc dans tous les textes widgets quoi. Ouais c'est ça le truc. Bon après vu que c'est une view c'est pas dramatique ça, normalement. Pas cher, hein. Mais après du coup si tu voudrais pas un composant spécifique pour ce menu, enfin ou pour les menus, tu vois, pour les labels qui permettent de faire ça. De quoi? Après peut-être que tu peux faire un composant spécifique pour ce genre de truc, qui soit destiné à un composant de texte, qui soit destiné à alors, une view. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Pas sûr non plus pour le moment en vrai. Vu que c'est juste une view après manipulée par le contrôleur. En plus en vrai du coup il y a peut-être un truc à jouer sur le fait que le component en fait il a une view sur le descriptor. Oui, si tu stockes la string dans le descriptor, dans le composant tu peux avoir juste une view en fait. Juste la view du descriptor et puis comme ça. Ouais. Elle elle peut changer par rapport à ce qu'elle view entre guillemets. C'est ça. C'est pas con ça. J'ai bien fait d'avoir ce principe de descriptor stocké dans le component. Que... Ah. Le truc c'est que toi dans ton descriptor là tu vas avoir juste start, et des fois le texte que tu veux afficher ça sera une flèche puis start, donc tu vas devoir modifier la string quand même. Et tu peux pas modifier celle du descriptor parce que ça n'a pas de sens. Péché. Y voit. Alors faut que tu mettes ta flèche dans les descripteurs et que... J'y ai pensé puis je me suis dit c'est quand même un peu dégueulasse. Hein. Voilà. C'est vrai que du coup t'es dans ton contrôleur un assert que ton texte commence par le bon préfixe et puis... Voilà, mais c'est pas... C'est la S quoi. Ouais, c'est la S. Puis ouais tu laisses le texte et puis... Puis dessus. Je rajoute une vue par dessus quoi. On va déjà essayer de faire ça, puis on réfléchit à une solution plus mieux quand même après peut-être. Le texte. Du coup, faut l'initialiser avec le texte. Ouais, je pense que tu peux le passer direct avec le texte. Genre c'est légal. Il me semble, je vais vérifier. Car je suis d'un type sympathique. Mon SSD galère. Comment ça ton SSD galère? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ton SSD qui galère? Ah bah non parce que les string view ne savent pas ce que c'est qu'une MLC string. Mais par contre... C'est là où je sais pas comment ça marche. Dans string t'as un opérateur pour convertir en string view. Du coup ça devrait marcher en fait. Ah, du coup voilà ouais il va convertir en string view et faire l'opérateur par copie. Le cast implicite. Ou le move ou je sais pas quoi. Non il fait juste. Ce sera une copie je pense non? C'est juste une copie du pointeur de début et de la taille. Il va faire une copie du coup. Ouais. Les string view c'est dans fondamental? Non fondamental c'est quand il y a de l'allocation. Oui. Du coup c'est dans dialecte. J'y suis presque. J'y suis presque. Est-ce que... Je sais déjà. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai distribué. Ah si, est-ce qu'on lui envoie le texte? À partir de là, dans le contrôleur, au lieu de manipuler... Ouais, au moment du change, tu peux le faire dans l'initialisation. Déjà, la chaîne qui te va bien. Des initialisations, mais pas d'initialisation, c'est un... C'est t'as le mec qui m'a une menu contrôleur. Et tu récupères le start widget et le exit widget. Yes. Du coup, en vrai, il faut construire le tableau. En fait, ici, tu vas modifier la string qui existe. C'est là où je modifie la string, ouais. de start et. C'est ça, t'ajoutes le préfixe dont t'as besoin. Il faudra que tu changes la view aussi pour faire quoi là. Quand on va changer un peu comment ça fait, parce que. Ouais. Je suis sûr de vouloir modifier la string si au final on n'en fait rien derrière. Ouais, c'est un erotic return. C'est égal à nul. Ouf. Inverser la condition. T'es quand même un mec comme ça, toi. Tu ouais, je suis un gueudin. Ouais. Comme ça, ça fait du travail mental pour les gens qui regardent, tu vois. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est juste la condition qui a été inversée. Je pense que tu peux renvoyer un LC nul, là, directement. Vu que c'est pas dans une ternaire. T'es sûr? Ah oui, c'est à cause du ternaire qu'on était obligé de faire ça. C'est ça. Parce que le ternaire il va en type à un moment. Tu peux arriver à déduire toute seule qu'elle est type des deux côtés. Et c'est dramatique. Donc ici on a donc du coup il nous faut un vecteur. Non bah non, je comprends. J'arrête avec cette idée de vecteur, faut que je change juste le... Je change la string. En fait. Ouais, ça. Pour le coup, il te faut un string stream pour construire ta string. On va reprendre ça en fait. C'est ça, tu peux copier ça. Ouais. Bah, tout en fait, tout cette partie-là. Tu vas peut-être le mettre dans une petite fonction de helper. Comme si tu le fais pas deux fois. Tu l'écris pas deux fois. Ouais, parce qu'il va falloir le faire pour le start et le exit. C'est ça. On peut pas réutiliser le même stream aussi. Puis je dois pouvoir faire un clear sur le stream et puis. On va peut-être essayer de faire ça. Ok. C'est un widget. Ça c'est un widget. Faut que je récupère son text component. C'est un optional widget, je pense. T'as vu là dans le. Quand tu l'envoies dans le contrôleur, tu les références deux fois. J'imagine que lui il attend une référence donc faut que tu mettes un. Par contre en vrai le return il change pas ici, ça reste le même constructeur pour lui. Ouais, c'est ça. Il est juste simplifié. J'ai tué un main là. Ah, il te manque un M. Histoire que je. Eh, hey, salaud. Alors, voilà, moi j'ai deux propositions. Ça, ce serait ce qui serait en bas du combat, là. Enfin, en bas quand t'es à l'intérieur du donjon, hein. Donc c'est pas tout le truc. Donc soit on met juste les cartes des héros dans leur positionnement, donc 1, 2, 3, 4, donc très simple, on reste comme ça. Évidemment, avec leur point d'attaque et leur point de PV, tu vois, les quick start, et dès que tu cliques en fait dessus, bah du coup ça va ouvrir la carte en grand et tout. Ou on se fait chier et on fait un truc comme ça, une petite illustration comme ça sur le techo, avec leur placement comme ça tout au long en bas là, en bas de l'écran. Alors question, l'illustration à gauche, elle peut varier selon les cartes que t'as. Ouais. Ça c'est la merde. Ouais c'est la merde hein, d'accord, du coup on en fait pas. Mais sinon tu peux avoir un, ouais, c'est sympa d'avoir un visuel mais... ça se fait, mais c'est compliqué parce qu'il faut prévoir plein de trucs. Ça peut se faire après avec si t'as des sprites pour chaque héros, tu vois, et que tu les entasses en mettant les autres devant. Ça peut se goupiller bien si les sprites sont. Et puis il faut faire gaffe à la taille des sprites. Est-ce que la question, le nombre de cartes peut changer? Non, c'est toujours 4 en donjon, Mac. Okay. Tu peux pas avoir 5 héros en donjon. Bah, c'est bien, ça facilite le truc. Mais du coup, ouais, c'est faisable. Hein. Tu peux en avoir moins, par contre. Ouais, mais ça, il suffit de pas les mettre. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. c'est entre 1 et 4 quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux, ouais, après tu peux définir des ensembles, de, enfin des positions selon le nombre de personnages. C'est ça. Les sprites. C'est pas... Après c'est pas moi qui vais le faire, hein, mais... du coup je le dis comme ça, ça m'a pas l'air hyper compliqué. Tant qu'ils ont, ils ont tous la même taille, ça va. Ouais, c'est ça. S'ils ont pas tous la même taille, c'est bon. Il y a des checks ou des trucs comme ça, tu m'avais dit. Quoi? Il y a des checks ou des asserts, un truc comme ça. Assert, ouais. Ça s'appelle assert. Juste assert, il n'y a pas de la nef, c'est assert ou... Non. Assert avec un A majuscule. Et si tu veux mettre, du texte un peu derrière quand ça pète, c'est assert MSG. Inclus NLC assert dans dialecte. Du coup tu me dis il faut inclure, c'est dans dialecte car c'est un dialecte. Assert. Ouais, HPP. Ça stoppe l'exécution ou faut gérer quand même le cas après? Bah ça dépend de ton... Si t'as un debugger branché, ça t'arrête le debugger. Et après tu peux continuer. Ça break, si tu veux. Mais ça t'arrête pas l'exécution. Ouais, c'est ça. En release, ouais. ça crash direct, enfin ça arrête tout. Ah bah, non, en release ça fait rien. Je ne sais plus. Je crois qu'en release ça explose. Donc normalement t'es pas censé... En doute on va le gérer. T'es pas obligé de tirer les trucs derrière. Donc... Si on n'est pas de... On va prendre ça avant, on va... On a besoin des deux donc... Exit... Et après tu refais un find alors que tu les as cherchés juste au-dessus. Non, parce qu'en fait on a trouvé le widget, mais après faut trouver le text component dans le widget. D'accord. C'est une feinte. J'étais pas prêt. Eh oui, ouais, c'est du au vol. Hein. Mais il va vraiment falloir que je fasse... Attends, je suis un connard. Je suis un connard. Il va falloir que j'aime bien un peu ça, je pense. En fait, il va falloir plein d'outils pour pouvoir accéder à... Ouais, te balader dans ta hiérarchie, tes composants, tout ça. Ouais. Là, tu vas devoir faire une petite clip. Je vous l'enverrai. Tu peux rajouter des consts à tes pointeurs. Ouais. Ok, on peut commencer. Donc on prend le texte, on lui prépend de le... Du coup, c'est start text.text, non? Oui. Je m'étais bourré parce que j'avais pas encore fait le frame justement à ce moment-là. Texte. Texte. Tu l'as juste en dessous, en fait. Oh non. Dommage, ah, il refait tout. Pour éviter l'erreur. Il existe allocator ici, il s'appelle bien allocator ou pas? Mais non, il s'appelle alloc. Tu vois, ça aurait pas compilé. MC, tester. Tac. tu refasses la view aussi du coup. Dans start text. Ouais. Ça. Je vais vérifier qu'il y a la méthode clear dans le texte. Et du coup c'est là où c'est la fin, genre comment ça marche le view. Bah tu peux faire NLC string view parenthèse et puis ton texte, normalement ça marche. Ouais mais du coup faut que je le décale de est-ce que... Ouais ça dépend, ouais, où tu... si tu veux commencer, ouais. Au début tu veux mettre la view après le préfixe. Ouais, c'est ça. Alors tu devrais peut-être mettre ton préfixe dans une constante, comme ça tu peux avoir la taille facilement. Il est fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien du tout. Non, c'est pas... String stream là. Ah mais il n'y a pas encore de... Tu vas être content. Je peux le foutre en statique. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas clear la méthode, mais t'as une méthode resize et tu peux lui passer 0. Ou même tu peux lui passer la longueur de ton préfixe. Comme ça tu effaces tout. Ce qui est après le préfixe. Ah ça c'est bien ça, ouais. Et du coup je peux lui donner un petit peu stylé au... à ton préfixe ou je peux lui mettre... Tu peux lui mettre un constact string view, par exemple. Ça existe? Ouais. Ça c'est depuis la dernière fois déjà. Ouais mais la string view du coup je peux pas lui mettre un... Je peux lui envoyer un context string et puis... ouais c'est ça, tu lui mets un string littéral là, tu mets enfin guillemets et puis ton préfixe et c'est bon. Et ça va marcher, il va garder la mémoire dessus, enfin il va yes. Garder le pointeur dessus. Quoi. Tout à fait. Ça marche parce que c'est du string littéral et du coup... c'est ça, et c'est le compilateur qui gère... espace dédié et du coup tu peux pas le modifier. Machin. Exactement, c'est le compilateur qui gère ça, l'adresse c'est pas censé bouger, donc ça marche. Du coup on va dire... putain, préfixe. Comme ça. Ouais. Et comme ça, ici, on peut dire happen de... Happen préfixe. Main menu contrôleur. J'allais dire, t'es pas obligé de remettre main menu contrôleur, mais en fait, si. Oui, parce que je suis pas encore dedans. Dans une méthode. Ça, à la feinte. Alors, en fait, limite la constante, moi je l'aurais mis directement dans ton CPP en fait, parce que tu n'as pas besoin de l'exposer. Ah ouais. Comme ça tu te fais pas chier. Allez, je suis dans le main menu contrôleur. Mais après ça c'est une question de style. C'est vrai que c'est pas fou, hein. C'est un détail d'un plan, donc il va pas à le connaître. En vrai. En fait, je voulais le mettre de base parce que je me disais je vais pas le mettre dans la fonction parce que bah c'est con, j'en ai besoin. J'en ai besoin ailleurs. Mais en fait, je peux carrément le mettre dans le fichier. Des fois, je réfléchis pas. Putain, préfixe. Par contre, faudrait que je le foute dans un namespace anonyme, non? Et ouais, ça peut être mieux, ouais. Ça peut éviter des collisions si. S'il y a plusieurs. Plusieurs CPP. Qui traînent, Voilà, c'est ça. Le bon réflexe de toujours foutre dans des namespaces anonymes quand tu mets... En plus, c'est le genre de collision qui collide au link et t'as pas du tout d'erreur, c'est juste que tu comprends ce qui se passe. C'est super dégueulasse, il te dit « Ah, dis donc, je connais pas ça » ou « Je le connais déjà, t'es niqué ». Nous, ça nous est arrivé avec des structures qu'on définissait dans des tests, qui avaient les mêmes noms dans plusieurs tests. Et ben en fait, il en prenait une au pif, aléatoirement, à la compilation. Ouais, il prenait pas forcément la même. Et du coup, on comprenait pas pourquoi les tests marchaient pas. Et puis t'as de quoi paniquer hein, à ce moment-là. Ouais. C'est à ce moment-là où tu commences à avoir des comportements qui sont pas identiques d'une compile à l'autre. C'est exactement ça. Là, tu commences à compilateur. Là, c'était selon le compilateur, donc on avait sur les tests auto, genre MSVC qui marchait, puis Clang qui marchait pas, puis Clang CL qui marchait. Mais que en debug. Donc tu m'as dit il y a une méthode resize qui prend en paramètre du coup pour lui envoyer la taille. Tu peux lui mettre button prefix.size. Ouais il y a un truc qui s'appelle size, ouais. Je regardais comment ça s'appelait. Dans les strings. Prefix size. Et là du coup par contre il faudrait que dans le display, du coup je lui donne... Et bah... je dirais... Quand je peux créer bah, la... tu peux dire... je pense que tu peux mettre directement égal start text, flash text. Parce qu'il y a... Décalé de 3, je fais comment? Ah, donc tu fais NLC string view et du coup tu prends string view de ma start text, ouais. Text. Tu fais start text.ptr. .ptr ah, en fait il faut que tu donnes le pointeur, je crois que c'est ptr ou alors c'est point data. Attends je regarde ça dans string pour begin en fait. Non mais begin c'est trop un string. Begin ça renvoyer un itérateur. Ouais, c'est string comme dans enfin, les c'est string du coup. Ouais. Plus plus la size du coup. C'est ça. Et ensuite, je revérifie. Tac. Et après la taille. Donc c'est la taille du texte moins la taille de button préfixe. Et il faut la taille du coup. Ouais. Je peux pas la déterminer. Bah non parce que si tu veux tu peux arrêter ta string view avant la fin. La string view se termine pas forcément par un /0. Alors t'es sûr de ton truc? Oui. Ah oui. Ah non oui d'accord parce qu'on n'a pas encore donné la taille putain je suis con. Oui. Parce que vu que le truc il s'appelle français j'étais en mode j'en peux déjà la taille. Ah oui pardon. Je suis juste débile en fait. C'est la fatigue. La fatigue. Point size moins pré putain préfixe. Préfixe moins size. Ouais. Ça normalement... Plus le nombre de fois t'appelles size, ça me donne envie de faire une constante. Donc tu le stockes la style dedans. Ouais, mais c'est déjà... Après la méthode est const, y a pas de... Elle va être inlinée en vrai. Non? Ouais, et de toute façon la méthode est pas const. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des vieux trucs. Ah, la méthode size de StringView elle est const. Ouais, mais elle est pas const. Ah oui, par contre elle est pas const. Oui. Bah dans ce cas-là on s'en fout, mais ouais. En effet ça pourrait poser problème. Mais... Pas aujourd'hui. Du coup maintenant on va reprendre ça. Uniquement ça. Exactement. Un espace histoire d'alléger un peu le texte. Start, exit. Non. Exit. Merci. Merci, au revoir. Et voilà. Et voilà, maintenant t'as plus qu'à gérer le switch. Quand tu... Maintenant, en gros, ici on prend le texte. Du coup, là je faisais la copie du texte descripteur. Hein. Du coup, en gros, ici c'est. En fait, il faut recréer juste le display texte en fait à chaque fois. Oui c'est ça, t'as juste le display texte à réassigner. Typiquement ici là c'est quand on reset à la valeur par défaut donc en fait c'est exactement ce qu'on fait ici. Ça. Par contre il me faut le... Alors j'en suis juste une seconde sur vous. Oui. Hop. Oh il a fait des trucs. Tax. Je reviens de ce compteur. On utilise toujours button préfixe, c'est légitime. Et après, tout le changement se fait ici, donc nouveau texte, pas nul. Dans ce cas-là, bah, en fait, la string view, on va prendre le texte tout simplement. En fait, c'est ça. Là, je pense que tu peux le faire directement. New texte. Je peux juste lui envoyer texte. Je pense, ouais. Pas sûr à 100% que ça compile, mais au pire, ça sera juste à rajouter NLC string view devant. Genre comme ça, normalement. Ouais. Incroyable du cul. Tu changes l'endroit où tu fais le rendu du texte aussi, du coup, pour qu'il rende à partir. Pour qu'il rende display texte et pas texte. Si c'est bien fait, la fonction de rendu texte elle prend une view, donc ça devrait être facile. Ça devrait être transparent. D'ailleurs, ça doit être ici le render, non? Non, j'ai un widget render quelque part qui traîne. Ah, il est ici. Ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ce qui du coup est un peu con parce que maintenant j'ai des fichiers CPP par component. Du coup, je suis pas sûr que ça va rester comme ça très longtemps. Display texte. Oh, salaud. Ah. Il m'a refait le coup. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, c'est bizarre. Du coup, je disais, c'est dans pandémie, source, puis chat. Chat 30 d'or. Ici et display. Et là, ça va pas compiler. J'ai un fichier qui était pas sauvegardé, c'est ça? Non, je sais pas. T'as une vraie idée derrière la tête ou c'est juste parce qu'il y a beaucoup de taf et du coup ça n'a pas complété depuis longtemps, donc c'est la merde. C'est plutôt ça, ouais. C'est d'accord avec toi. Il y a forcément une erreur qui s'est glissée. Voilà, voilà. Un peu plus qu'une. Hop, là, il y en a quelques-unes. Ah, tu vois, il aime pas trop ça. Alors, on va clear et... Voilà. Là, c'est déjà plus digeste. Invalide opérant de binarise sur. Ok. Oh, il aime pas. Parce qu'il faut que tu pas le plus size. Ouais, le static cast en char étoile, je pense. Le ça attends, je vais juste regarder. Ah non, faut que tu fasses parce que. String view, le size ça te renvoie avec une unité autour. Ouais, je pense que ça vient LC RM unit dessus. Ou alors tu fais point V. Sur la size. Ça c'est des trucs faut qu'on en encore. C'est où sinon display texte ici, donc tu disais soit un NLC RM unit, soit un point V, c'est ça? Ouais. Un point V. C'est dommage ça. Comment ça se fait parce qu'il n'y a pas de fonction pour pouvoir... C'est que on n'a pas uniformisé. Il n'y a pas d'opérateur plus entre un char étoile et un byte. Non. Mais c'est ça en fait, hein. Enfin s'il existait, il ferait pas chier je pense, non? Je sais pas s'il y a un truc plus complexe derrière. Mais... le truc c'est qu'après allocator, on a dit qu'il s'appelait pas allocator. On a dit qu'il s'appelait alloc. Je l'ai vu à un endroit, je l'ai pas vu sur l'autre, c'est dommage. Ça doit avec le byte. Comment bah, tous les endroits où tu fais un char plus size. Je crois que c'est celui-là que j'ai pas changé. Les deux au-dessus, je l'ai fait, mais pas celui-là. Si... ouais, s'il y a des autres endroits aussi où il va pas. Là. Donc là, après, c'est le find component, il est pas d'accord. Parce qu'il le trouve pas, il a été déplacé dans passWidget.hpp. Attends. PassWidget.hpp. Enfin, okay. Comment ça va se faire? Regarde, c'est pas l'erreur. Attends, on va clear et il trouve pas de fonction find component widget. Pas dans un namespace? Eh bien non. Ou est-ce que text widget component est bien inclus? Tu vois, il est en base comme ça. Okay. Ici, on inclut le base widget.hpp où il est défini, et ici, il y a le text widget. Il n'y a pas le text widget component? Ah, il n'y a pas de text widget component. Ah. Que je suis un tocard et que j'ai mal nommé mes trucs, et les text widgets, c'est les components en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il dit sinon? Dans le détail de l'erreur. Candidate function, bien. Là, parce qu'il faut que tu aies des références. Toi, t'as un optional, tu récupères un optional et tu passes à la fonction. Ah, mais il y a un étoile devant, justement. C'est prêt pour ça. Ah, c'est un optional pointeur. Et toi tu veux une référence, donc faut des références, c'est 2 fois. Ah c'est une référence qui prend... J'ai l'impression. Ah oui, je suis un salaud, excusez-moi. Non mais c'est bien en plus, hein, salaud. Tant mieux qu'ils prennent une référence en fait. Mais, Bah ouais. Mais oui, c'est l'optionnel pointeur qui est traître. Pourtant, ouais, j'ai essayé de l'anticiper. Hein. Mais je suis pas fan de ce type de retour là, sur le findif, c'est très casse-couille. Bah c'est vrai, ça fait beaucoup. Il veut pas plus. Il veut pas plus parce que... Qu'est-ce qu'il dit? Instantiation, fonction. Voilà. Unexplicit instantiation. Parce que c'est ce que le fichier il est pas. T'as pas écrit la définition de ta fonction dans le CPP? Parce que ça si, il est là. Bah il faut le faire dans le header. Ah oui putain. Oh, c'est chiant. Ou dans un plan INL que t'inclus quoi si tu veux pas. Je suis obligé de le faire directement ici en fait. Ça va qu'elle est simple. J'ai oublié cette petite surprise. Pourquoi il est pas d'accord? Forward declaration of template entity, c'est mieux. Il est déjà instancié dans main menu controller. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai forward quelque part, peut-être, non? Ah, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Ah, j'ai pas l'impression. Mais menu 40 instanciation fonction. Il dit qu'il y a la forward declaration du template qui est ici. Ouais. Bah on va dans base widget. C'est que t'as sauvegardé. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un fichier qui s'est pas sauvegardé. Et donc, quand on est mauvais, on est mauvais. Hein. Et voilà. Incroyable. Là, que ça marche. Je sais plus où je testais que ça marchait. C'est quoi ces builds clan? Pandémie d'or. Bon, avec tout ça, j'aurais pas eu le temps de faire l'instance d'attaque. Mais bon, c'est pas grave, je pourrais faire ça la prochaine fois. Ouais, une fois que tu nous expliques ton dernier écran. Là. Hein? Une fois que tu nous expliques le dernier écran. Ah, ça a explosé. Parce que... Register window data nul. Parce que il faut initialiser les inputs avant de créer ta fenêtre. Maintenant. Ah voilà, non mais voilà aussi. Mais pourtant on n'avait pas testé après la mise à jour, ça marchait. On avait juste compilé je crois. Ah. Du coup les inputs c'est ici. C'est juste le init du coup. Ouais c'est ça. Juste avant window, faut que tu le mettes. Est-ce que tu mets tous les inputs? C'est dommage. Sinon tu mets la window tout à après. Après le set bindings et tout ça. Ouais. Bon, ça t'es... De toute façon, c'est des bugs, ça faut que j'améliore ma gestion d'input, je pense. Genre, il va falloir des profils par... Oh, le salaud. Encore une fois. Source main.cpp. Alors, donc, on a dit, on prend tout ça. On le met là-haut. Arrêtez de me mettre des commentaires là où je veux. Tac tac tac. Ok. Bon là sans surprise ça compile. Ah non, je suis pas au bon endroit. Terrible ça. Et là ça va SecFault. Ça va tout péter. Franchement, il y a moins d'opérations qu'avant, donc ça c'est te choquer déçu. Alors, pour le moment ça marche. Ça marche, incroyable. C'est fou. Et là, il n'y a plus d'allocation. Et tu économises ta RAM, ça c'est beau. Ouais. C'est beau, ça c'est la science. Mesdames et messieurs, la science. Voilà, on va passer une heure à ne rien changer. Mais c'est mieux. Ça se voit pas, mais c'est mieux. Non, mais à un moment, il va vraiment falloir que je me penche sur l'interface et faire des trucs mieux. Et qui ne vont rien changer. Parce que là, là c'est compliqué un peu l'interface encore. Ouais, c'est normal, c'est le début. En effet. Alors, tout à fait. Norse. Le Pokémon, tout à fait. Bon, alors. Dis-nous tout. Du coup. Hop, c'était le hub. Voilà, donc le donjon. Boum. Voilà où est-ce qu'on en est. En gros. Ah, c'est chiant, du coup, vous voyez pas des masses. Attends. Je vais enlever vite fait pour. Mettons solo, ouais. Ouais. Yes. 2 secondes. J'arrive. De toute façon, il n'y a plus rien à voir dans le code. Plus rien à voir. Voilà, donc, dans un premier temps. Donc là, on a les tuiles qui avaient été déjà disposées par les joueurs au tout début de la partie, tout ça. Hein. Donc, du coup, on a fait un faux donjon. Ok. Donc là, ce serait le joueur, par exemple, tu vas directement représenter. Là, c'est le début du donjon. Hein. C'est pour ça qu'elle start. Là, par exemple, on a aussi là où est l'autre équipe. D'accord, l'autre joueur, par exemple. On a la tuile où il y a le boss, évidemment. Là, du coup, les illustrations avec les attaques et les PV et les placements en fait des héros pour l'initiative se passeraient là, à peu près. Bon, là, j'ai été un gros sac, là, j'ai mis tout en gros comme si on jouait sur une GBA, mais en plus fin et un peu plus travaillé. En gros, l'idée serait ça. Après, là, il y aurait les items, pareil, comme pour le hub, du coup, un petit hover et hop. Ça va, pouf, ça continue, ça s'expande. Hein. Là, on a les héros en guilde. Donc, comme ça, à tout moment, tu vois, tu peux drag and drop un héros pour le mettre là. En gros, tu lui dis, bah, toi, tu vas remplacer l'autre, par exemple. Si jamais il y a une place vacante ici, là. Par exemple, imaginons le 4, là, il y a un de tes héros qui est mort, là, récemment. Et que tu veux, justement, qu'un des héros en guilde, bah, rejoigne le groupe du donjon. Du coup, t'as juste à faire pouf. Et du coup, bah, après, il fait sa merde pour rejoindre le groupe. Ok. D'accord. Donc ça fait aussi office de placement de héros. Donc à n'importe quel moment, tu peux drag and drop, tu vois n'importe quel gars, histoire de changer les places si jamais t'es pas d'accord avec l'initiative, ce que t'as fait, tout ça. Et quand il y a un événement, hop, t'as la carte qui apparaît là comme ça en gros. Malheureusement on voit pas. Mais, hop. En gros, tu vois, t'as l'illustration. En gros, quel premier plan, tu vois, illustration avec l'event, la description de la carte event. Et hop, tu vois. Après. Advienne qu'advienne quoi. Advienne qu'advienne. Hein? Ok. Non, ouais. Okay. C'est une connerie, comme d'habitude. Ah bah comme ça. Et voilà, en gros, c'est ça à peu près l'idée. Sachant que si jamais on raffine un peu plus la formule, on peut mettre un peu plus d'informations ou quoi. Mais dans les grandes lignes, ce serait à peu près ça. Ouais. Oh, c'est cool. Oh. Ça servira de base. De base. Bah, de toute façon, c'est à retravailler, mais histoire de voir pourquoi est-ce qu'on doit afficher, ce qu'on doit pas afficher. Ouais, c'est ça. Sachant que là, tu vois... d'à quel point l'écran sera chargé ou pas. Ouais, c'est ça. En plus de ça, j'ai juste oublié un truc, mais là, par exemple, j'ai pas mis les PO. Tu vois. Oh, les mettre, les PO. PO. C'est facile. Tu vois, on peut mettre ici, par exemple, tu vois, les PO, par exemple, hein, si on veut. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Tu vois, c'est une idée, mais parmi tant d'autres, mais voilà. Voilà, voilà. D'accord. Et oui. Donc voilà, bah, du coup, la prochaine fois, je ferai le truc en combat et tout, à moins que vous ayez des questions. Non, bah, de toute façon... Je crois que l'implémentation de ces trucs est pas pour tout de suite. Oui, oui, non, mais voilà, mais c'est juste pour faire en avant, c'est pour s'avancer un peu. Donc voilà. Niveau code, bah, je pense que tu arrives à un point de... Oui, moi je suis en train, de commit, donc... La prochaine fois, ça sera le... Le flow control. Le flow controller, ouais. Pour changer de menu. Changer d'écran. Puis quitter le jeu aussi, parce que c'est un peu le but du truc aussi. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était la race et qu'il nous fallait un flow controller. Oui. Donc il faudrait un truc qui te permet de quitter le jeu et d'aller sur l'écran de début de partie, quoi. Ouais, sur tous les autres écrans, en fait, qui sera responsable de savoir où on en est de l'état actuel, quoi. Et puis de gérer la durée de vie de chacun des menus. Hein. Je pense que ce sera lui qui s'en occupera. Ouais, ça servira un peu de colonne vertébrale du soft en vrai. Je pense. Oui, bah oui, ce truc-là va gérer tout le jeu, en gros. Je vois que t'as des fichiers que t'as gardés, que t'as pas supprimés. Des vieux trucs. Des libs, des points cache et compagnie, ouais, je dégage tout ça. Encore que le point cache, je pense qu'il faut que je le garde. Il faut que tu le mettes dans Gitignore ton point cache. Ouais, faut que je l'ignore, après il y a le lib, je sais pas ce que c'est. Le lib, ça il faut dégager, c'est des vieux trucs. Maintenant c'est des repos, c'est des sub-projects même. Ouais. Bah voilà. C'était l'update du code principalement, et puis un peu de nettoyage de manière de fonctionner du menu. C'est ça. En même temps, les temps. Oui, beau. Dans les temps, en effet. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais ouais. C'est pas grave. T'as fait des choses. Ce qui est important, c'est que tu ne sois pas ennuyé. Et oui, j'ai pas vu trop de temps passer, c'est ce qui me fait un peu chier parce que du coup j'aurais bien voulu peut-être montrer un peu ce que je m'attendais en combat ou quoi. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. En fait. On a encore le temps. Hein. Oui, on a encore le temps, mais bon, c'est bien aussi de se préparer à l'avance, tu vois. Là, c'était un premier jet, donc c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'on a vu, mais évidemment, là, j'ai fait ça en mode comme si on trafait sur un écran d'une GBA, tu sais, color là. Pardon, une GBA seulement, parce que c'est déjà Advance. Mais en vrai, ce serait beaucoup plus... on pourrait mettre plus d'informations, un peu plus fin ou quoi, tu vois, et ce serait toujours aussi lisible, mais c'est bon, voilà quoi, c'est juste ça. Par exemple, tu vois, moi j'aimerais bien, tu vois, qu'on voit à peu près ce que fout notre guilde de temps en temps, tu vois, ou au moins l'historique du truc. Mais dans l'idée, en gros, grosso merdo, c'est ce que ça donnerait. Après, bon, voilà, c'est à retravailler, c'est à refaire, de toute façon. C'est pour ça que c'est fait à la main levée en 2 secondes, mais bon, ça prend déjà du temps, quoi. De toute façon, genre, les écrans, c'est un... Une fois qu'ils sont implémentés, que tu l'utilises, que tu te rends compte ce qui n'est pas pratique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire une simulation à la con, vraiment. Aussi moche qu'elle soit. Ça c'est fait. Bon bah très bien. Donc nous arrivons à 2 heures de live. Ce sera quand le prochain ? Écoutez, vous êtes là jeudi ? Bonne question. Moi je suis pas dispo jeudi. Ah. C'est la saison des potes départ, donc je suis pas disponible jeudi. Bah, je vais essayer de faire un truc jeudi, du coup, je sais pas si je continue, soit je fais le storyboard jeudi, soit je fais des recherches artistes, ou des veilles techno ou quoi, à voir. Mais en tout cas, je pense que je vais quand même live jeudi soir, pour faire un truc, ne serait-ce qu'au moins une veille, tu vois. Ah, c'est ce que j'allais dire, tu peux faire la veille des trucs que t'as regardé lundi, des trucs comme ça. Ah, on pourrait, ouais, en effet. Ou continuer sur les docs, enfin bref, en tout cas jeudi soir je verrai ce que je ferai pour avancer, mais je ferai un truc. Ok, cool. Voilà. Donc du coup, on se dit bonne nuit, bonne app. Ouais. Bonne soirée. Dans l'autre temps, plutôt. Ah, tu me connais pas. Je suis pas fou, pareil. Très bien. Donc, bonne nuit alors. Ouais, voilà. Merci encore pour ceux qui sont venus sur le live, d'avoir supporté. Je sais pas. Au revoir. Nous avoir supporté, c'est déjà beaucoup. Et du coup, pour ceux qui veulent encore se faire chier jeudi, je serai là. Donc on verra ce qu'on fera, mais on fera un truc. Voilà. Mot de la fin, messieurs. Cacahuètes. Cacahuètes. Je suis d'accord. Écoutez, La guerre n'est qu'illusion, la guerre n'est que sacrifice. Altour, c'est la guerre. Du coup, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Ciao.